Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. Bon, l'exercice est le suivant. Soit dans z croisé z, l'équation E, l'équation E sur 8x plus 5y est égale à 1. La première question, 1, résoudre l'équation E. Bon, on va résoudre cette équation. Tout d'abord, on va chercher une équation particulière, une solution particulière. On applique la logarithme d'Euclide. Puis, on va résoudre l'équation. Bon, on a 8 est égal à 5 multiplié par 1 plus 3. Et 5 est égal à 3 multiplié par 1 plus 2. Et 2 est égal à 2 multiplié à 3 est égal à 2 multiplié par 1 plus 1. Donc, 1 est égal à 3 moins 2 multiplié par 1, qui est égal. On va calculer 2 dans cette égalité. Donc, il est égal à 3 moins 2, pardon. Bon, 2 dans cette égalité, c'est 5 moins 3. Qui est égal à 3 moins 5 plus 3 qui est égal à 2 multiplié par 3 moins 5. Puis on va calculer 3 dans cette égalité qui est égal à 8 moins bon c'est 2 multiplié par 3, pardon, 2 multiplié par 3, dans cette égalité, c'est 8 moins 5. 8 moins 5, moins 5, qui est égal à 2 multiplié par 8, moins 2 multiplié par 5, moins 5, qui est égal à 2 multiplié par 8, moins 2 multiplié par 5 moins 5, c'est moins 3 multiplié par 5 qui est égal à 8 multiplié par 2 plus 5 multiplié par moins 3. Bon, on peut vérifier ce résultat. 8 multiplié par 2, c'est 16. 16, bon, plus 5 multiplié par moins 3, c'est moins 15. 16 moins 15 est égal à 1. Donc, le couple 2 moins 3 est une solution particulière de E. Bon, on a d'une part 8x plus 5y est égal à 1. 8 multiplié par le plus 5 multiplié par moins 3 est égal à 1. Donc, 8x, pardon. Donc, 8x. 8x plus 5y moins 8 multiplié par 2 plus 5 multiplié par moins 3 est égal à 1 moins 5 est égal à 0. Alors, on applique 8x moins 2 multiplié par 8 plus 5 moins 5 multiplié par 5 égale, pardon, moins 5 multiplié par 3 est égal à 0. Ce qui implique 8 facteurs de x moins 2, 8 facteurs de x moins 2, pardon, ici, plus 5 facteurs de y plus 3 est égal à 0. Bon, cela implique que 8 facteurs de x moins 2 est égal à 5 facteurs de moins y moins 3. Donc, 8 divise 5 facteurs de moins y moins 3 et comme 8
qui s'agit de la 1 d'après l'identité de Bijou. Alors, d'après le théorème de Gauss, 8 divisé par moins négatif moins 3. Cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z tel que, pardon, tel que moins y moins 3 est égal à 8k, cela implique que y est égal à 3 plus 8k, cela implique moins y pardon, cela implique que y est égal à moins 8k moins 3. Bon. Et comme, pardon, et comme ici, 8 facteurs de x moins 2 est égal à 5 facteurs de moins négatif moins 3, alors on va remplacer moins négatif moins 3 par 8k. Donc 8 facteurs de x moins 2 est égal à 8 multiplié par 5, 8k multiplié par 5, en simplifiant par 8, donc, en simplifiant par 8, on aura, cela implique que, pardon, x moins 2 est égal à 5k. Cela implique que x est égal à 5k plus 2. Bon, si le couple x, y est la solution de l'équation RE, alors x doit être égal à 5k plus 2, y doit être égal à moins 8k moins 3. Maintenant, on va voir l'inverse. Bon. Réciproquement, on a 8x, 8 facteurs de x de 5k plus 2, moins 1 plus 5y, moins 8k moins 3, est égal à 8 multiplié par 5k plus 8 multiplié par 2 moins 5 multiplié par 8k plus 5 multiplié par moins 3. On simplifie par cette quantité, est égal donc à 16 moins 15 qui est égal à 1. Mais on a ici 8 multiplié par 2 plus 5 multiplié par moins 3, il est égal à 1 car c'était le couple, pardon, le couple de moins 3 est une solution particulière. Donc, pardon. Donc, 5k plus 2, le couple, moins 8k moins 3, est une solution de E. Donc, l'ensemble des solutions de E et S est égal à l'ensemble du couple, pardon, à l'ensemble du couple 5K plus 2 moins 8K moins 3 avec appartenant à Z. Maintenant, on passe à la deuxième question. Bon, on va chercher
Pardon. Voilà la deuxième question. Soit N en entier, vérifiant le système S. Bon, pardon, je vais chercher. Soit N en entier vérifiant le système S, soit N en entier vérifiant le système. Système S, bon S, pardon, S, donc il est N est congru à un module 8, et N est congru à 2. Module 5. Bon, pour ne pas avoir une confusion, on va l'inventer S. Petite S. Bon. Voilà pour la première question. Montre que N est une solution du système S. Voilà la question A. Montrant que N est une solution de système S. Si N est congru à 17 modules 40. Bon, on a N est une solution de S. Cela implique que N est congru à un module 8 et N est congru à 2 modules 5. Cela implique que, pardon, que N est égal à 1 plus 8. 8P avec, pardon, oui, point appartenant à Z. Donc on va remplacer N par cette, oui, pardon, N, P, et congru à 2 modules 5. Cela implique que N est égal à 1 plus 8P. Ici, on va retrancher 1 ici, on va retrancher 1 ici. Bon, 8, 8, c'est 5P plus 3P, est congru à 2 moins 1 modulo 5.
Bon, cela implique que n est égal à 1 plus 8p. Ici 5p est congruent à 0 modulé 5, car si t'avais été plus de 5, de moins 1 c'est 1, donc il nous reste 3p est congru à 1 modulé 5. Cela implique que n est égal à 1 plus 8p. 2 multiplié par 3p est égal congru à 2 multiplié par 1 modulé 5. On a multiplié le nombre de la congruence par 2. Donc cela implique que n est égal à 1 plus 8p. 2 multiplié par 3 c'est 6, 6 c'est 5, p plus p, il est congru à 2 modulé 5. Cela implique que n est égal à 1 plus 8p. 5p est congru à 0 modulé 5 car c'est un multiple de 5. Donc p est congru à 2 modulé 5. Cela implique que n est égal à 1 plus 8p. Ici, p est égal à 2 plus 5l avec l appartenant à z. Bon, cela implique qu'on va remplacer ici par cette valeur. Donc c'est 1 plus 8 facteur de 2 plus 5l qui est égal à 1 plus 8 multiplié par 2, c'est 16, plus 5 multiplié par 8, c'est 40 n, pardon. Et l'appartenant bon, 1 plus 16, c'est 17. Cela implique que n est égal à 17 plus 40n. Cela implique que n est congru à 17 modulo 40. Voilà la première application. Bon, pour la deuxième, il suffit de vérifier que n est solution 2 du système. Bon, pour notre application, n est égal à 40. Bon, n est congru à 17 modulo 40. Bon, il est congru n ici 5 divisé 40, bon 8 divisé 40, donc il est congru ici 17, c'est 1, c'est 16 plus, pardon, 17, bon n est égal à 17, bon, donc n est congru à 17 modulo 2, pardon, 5. 5 multiplié par 8. Cela implique que n est congru à 17 modulo 8. Et n est congru à 17 modulo 5. Cela implique que n, 17, 6, 16. Plus 1 modulo 8, n c'est 15, plus 2 modulo 5, cela implique n 16, il est congru à 0 modulo 8, donc il nous reste 1 modulo 8, n il est congru 15 est multiplié par 5, donc il est congru à 0 modulo 5, donc c'est 2 modulo 5. Donc, n est solution de S. Alors, bon, n est solution de S est équivalent
à N est congrue à 17 module 40. Voilà pour cette question. Maintenant, passons à la question B. Vérifie que 9417 est une solution du S. B. Vérifions que 9417 est solution de S. Bon, on a 9417 divisé par 8, 1, 14, donc c'est 1, multiplié par donc 6, 61, divisé par 8, donc 6, 7, 7 multiplié par 56, 5, 57, 7 multiplié par, donc 57 c'est 1. Donc, 9417 est égal à 1 plus 8 multiplié par 1177. Et on a 9400. 77 est égal à 9400. 15 plus 2. Cette quantité est congrue à 2 modulo 5. Car 9415 est divisible par 5 ou bien c'est un multiple. Donc 5 divise 9415. Donc, 9417 est congru d'une part à 1 module 8, il est congru aussi à 2 module 5. C, vérifions que l'entier est divisible par 40. Bon, divisons. 9417 puissance puissance 2012 moins 1 est divisible. Bon, ceci est divisible par est divisible par 40. Bon, on a 9417, il est congru à 1 module 8. Cela implique que 9417 puissance 2012 est congru à 1 puissance 2012 module 8. Cela implique, bon, 1 puissance 2012, donc c'est 1. Il est congru à 1 module 8.
Bon. On va montrer. Bon, cela implique. Et si pas non, on va retrancher un de l'autre côté de la congruence. Donc on aura 9477 puissance 2012. Moins 1 et le congruence 0 modulo 8. Bon. On va chercher maintenant, on a 9417 et congru à 2 modulo 5. Donc, 9417 puissance 2, il est congru à 4 modulo 5. 9417 au cube, il est congru. Je multiplie par 4, c'est 8, donc c'est 3 modulo 5. 9417 puissance 4, et le congru, 3 multiplié par 2, c'est 6, 6 est congru à 1 modulo 5. Donc, bon, 9417 puissance 4n, il est congru à 1 modulo 5. Bon. Et comme 2012 est égal à 4 multiplié par 163, alors 9417 puissance 2012 est égal à 9417, 4 multiplié par 103, qui est congru à 1 modulo 5. Bon, cela implique, pardon, 9417 puissance 2012, il est congru à 1 modulo 5. Cela implique que 9417 puissance 2012 moins 1, il est congru à 0 modulo 5. Donc, il existe un P1 appartenant à Z tel que 9417 puissance 2012 moins 1 est égal à 5P1. Et il existe P2 appartenant à Z tel que 9417 puissance 2012 moins 1 est égal à 8P2. Car 9417 puissance 2012 moins 1 congru à 0 modulo 8. Donc, et comme 8 multiplié par 2 moins 5 multiplié par 3 est égal à 1, alors on va multiplier le deux membres de cette égalité par son nombre, par 9417 puissance 12 moins 1. Donc on aura 9417 puissance 2012 multiplié par 8 multiplié par 2 moins 9417 puissance 2012 multiplié par 5 multiplié par 3. C'est-à-dire on a multiplié, on a développé. Est égal à 9400 est égal à 9417 puissance 2012 moins 1. Bon,
Alors, bon, il me faut un moins, j'ai oublié moins ici, pardon. Moins 1, facteur de 8 multiplié par le moins 5 multiplié par 3 est égal à 9417 puissance 2012 moins 1. On va développer cette expression. Alors, pardon, cela implique que 9417 puissance 2012 moins 1 multiplié par 8 multiplié par 2 moins 9417 puissance 2012 multiplié par moins 1, pardon, multiplié par 5, multiplié par 3, égale 9417 puissance 2012 moins 1. Bon, 9417 puissance 2012 moins 1 qui est ici, on va le remplacer par 5PA. Cela implique que 5PA multiplié par 8 multiplié par 2 moins 9417 puissance 2012 moins 1, qui est ici, on va la remplacer par 8π2. Est égal à 9417 puissance 2012 moins 1. Cela implique, bon, 5 multiplié par 8, c'est 40. 40. Multiplié par 2P1, moins, et c'est 40, multiplié par 3P2, est égal à 9417 puissance 2012, moins 1. Cela implique que 40 facteur de 2P1, moins 3P2, est égal à 9417 puissance 2012, moins 1. Bon, 2P1 moins 3P2, il est différent de 0. Sinon, son nombre est égal à 0, c'est ce qu'il faut. Son nombre est différent de 0, 40 est différent de 0, donc son nombre est différent de 0. Donc cela implique, bon, la différence des antirelatifs, c'est un antirelatif. Alors, on peut l'écrire sous la forme 4P3 est égal à 9417 puissance 2012 moins 1. Cela implique que 40 divise 9417 puissance 2012 moins 1. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, on passe à la question suivante. Bon, on passe à la question suivante. Bon, la question suivante. 3. Soit dans Z croix Z, l'équation au prime qui est 8x moins plus 25y est égal à 1. Je affirme que le couple moins 3a est une solution particulière pour résoudre l'équation 1. Bon, vérifions. Que
Le couple, moins 3, 1, est une solution particulière de l'équation. E', oui. Résumons l'équation prime. Bon, pour la vérification, pardon. Bon, pour la vérification, on a 8 multiplié par moins 3 plus 25 multiplié par 1 est égal à moins 24 plus 25 qui est égal à 1. Donc, 8 multiplié par moins 3 plus 25 multiplié par 1 est égal à 1. Alors, le couple moins 3, 1 est une, pardon, est une solution particulière de E'. Bon, maintenant on va résoudre l'équation. Bon, la solution particulière, la solution particulière, on le trouve toujours en utilisant l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire on effectue des divisions successives, on aboutit au BGCD de nombres. En gros, on trouve bon, des solutions particulières. Maintenant, résolvons l'équation E'. Bon, on a 8x plus 25y qui est égal à 1 et la solution particulière. Bon, cela implique que 8x plus 25y moins 8 multiplié par moins 3 plus 25 multiplié par 1 est égal à 1 moins 5 est égal à 0. Cela implique que 8x plus 25y moins donc plus 8 multiplié par 3 moins 25 multiplié par 1 est égal à 0. Cela implique que 8x plus 8 multiplié par 3 plus 25y moins 25 multiplié par 1 est égal à 0. Bon, cela implique que 8 facteur de x plus 3 plus 25 facteur de y moins 1 est égal à 0. Bon, cela implique que 8 facteurs de x plus 3 est égal à 25 facteurs de moins y plus 1. Bon, cela implique que 8 divise 25 facteurs de moins y plus 1 égale 8 et 25 sont produits entre eux, d'après le théorème de Bézout. Alors, d'après le théorème de Gauss, on a 8 divise moins y plus 1.
sur un bli qu'il existe un H appartenant à Z tel que y plus A est égal à 8H. Cela implique que Y est égal à 1 moins 8H. C'est Y, 1 moins 8H. Et comme 8 facteur de X plus 3 est égal à 25 facteur de moins Y plus 1 et moins Y plus 1 il est égal à 8H, alors 8 facteur de X plus 3 est égal à 25 multiplié par 8H. En simplifiant par 8, cela implique X plus 3 est égal à 25H. Cela implique que X est égal à 25H moins 3. Donc, si le couple X est la solution de l'équation E', alors X doit être égal à 25H moins 3 et Y doit être égal à 1 moins 8Y. Maintenant, réciproquement, on a, il suffit de vérifier que ce couple est solution. On a 8 facteur de 25H moins 3 plus 25 facteur de moins Y plus 1 est égal à 8 multiplié par 25H moins 8 multiplié par 3 plus 25. 25, il me faut, 8H, c'est 8H que nous avons ici. 8H. Pardon. Moins 8H plus 1. Donc c'est moins 25 multiplié par 8H plus 25 multiplié par 1. Et il y a donc, on simplifie par. Est égal à 25 moins 24 qui est égal à 1. D'où 8 facteur de 25 H moins 3 plus 25 moins 8 H plus 1 est égal à 1. Alors le couple moins 25 H plus donc 25 H moins 3 avec H c'est un élément de Z bien sûr et moins H est une solution de E'. Bon, on a montré que la réciproque est vraie, alors donc d'où l'ensemble des solutions de l'équation E' est
S est égal à l'ensemble, bon, parenthèse 1 est égal à l'ensemble du couple, 25H moins 3, 1 moins 8H, avec H appartenant à 7. Voilà pour cette question. B, en utilisant l'ensemble des solutions de l'équation, 8x plus 25, y est égal à 5. Déduisons l'ensemble des solutions. On a E' est équivalente bon, à 8x plus 25, y est égal à 1. Est équivalent, on va multiplier ici par 5. Est équivalent donc à 8 multiplié par 5x plus 25 multiplié par 5y est égal à 5. Donc il suffit de multiplier les solutions. Donc il suffit de multiplier les solutions. Par 5. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation F I S2 est égal à l'ensemble. Bon, on va multiplier ici par 5, donc 125H moins 15, 5 moins 40H avec H appartenant à Z. Et ces 5X on va remplacer par X', et 5Y on va remplacer par Y', donc on trouve 8x' plus 25y' est égal à 5, avec x' est égal à 5x, et y' est égal à 5y, et x' et y' sont les solutions de f, donc on va multiplier les solutions de e' par 5. 5 multiplié par 25, c'est 125, h multiplié par h, moins 3 multiplié par 5, c'est 15, 1 multiplié par 5, c'est 5, 8 multiplié par 5, 6, 40. H avec H appartenant à Z. Donc, on a déduit la solution de l'équation F. Bon. On passe à notre question. Bon, la question 1, 2, 3. Bon, la question 4. Soit D le BGC du XY. Soit D est égal à BGC du XY. O XY est une solution de F.
dans du livre possible du dé. Bon, petit A. Donnant, pardon. Les valeurs possibles de D. Bon, on a le couple XY, solution de F, donc 8X plus 25Y est égal à 5. Et comme D est égal au BG signe de Y, cela implique que D divise X et D divise Y. Cela implique que D divise 8X et D divise 25Y. Cela implique que D divise 8X plus 25Y. Cela implique, ces trois itinéraires, que 5, donc D divise 5. D divise 5, cela implique que D est égal à plus ou moins 1, ou D est égal à plus ou moins 5. Comme D est obligé de D, alors D est positif, donc cela implique que D est égal à 1, ou D est égal à 5. Donc les valeurs possibles du D sont, donc, les valeurs possibles du D sont 1 ou 5. Bon, la question B. Déterminons les valeurs, donc déterminons pardon, l'ensemble des solutions, l'ensemble des solutions de l'équation F, sachant que D est égal à 5. Bon. On a XY et solution de F, donc X est égal à 125 H moins 15 et Y est égal à 125 moins 15 est égal à 5 moins 40 est égal à 5 moins 40 H avec H appartenant à Z. Alors X est égal à 5 facteurs de 25 H moins 3 et Y est égal à 5 facteurs de 1 moins 8 H. Et comme 25H moins 3, le couple, pardon,
à mon 8h. Ici le sillon. Ici le sillon de E prime. Alors, 8 multiplié par 2h moins 3 plus 25 facteur de 1 moins 8h. 25 ici, pardon. C'est 25. Bon. 5. Bon, les solutions, 5 facteurs. Bon, 25h moins 3. Et 1 moins 8h sur les solutions. Donc 40. Pardon. 3. On a trouvé pour la résolution de l'équation 125. Oui. Vingt-cinq est une solution de prime. Alors 8 multiplié par 25 moins h plus 25 multiplié par cette quantité est égale à 1. Alors 25h moins 3 et le nombre 1 moins 8h, leur obéissance est égal à 1 d'après l'identité visuelle. D'après le théorème du Bizut. Bon, d'après le théorème du Bizut, voilà. Et comme 5 divise x et 5 divise y, x est égal à 5 multiplié par 25h moins 3, y est égal à 1 moins 8h multiplié par 5, et si deux nombres sont premiers entre eux, alors x, y est égal à 5. Donc l'ensemble des solutions de l'équation, donc l'ensemble cherché, S qu'on a déjà trouvé, S est égal à l'ensemble de 125h moins 15, 5 moins 40h avec h appartenant à Z. Voilà l'ensemble du couple qui est vérifié. Pardon. L'ensemble des solutions de l'équation F, sachant que U est égal à 5 et S2. Oui, c'est S2. Car on a 5 divisé X, 5 divisé Y. Et x est égal à 5 multiplié par 25 moins 3, et y est égal à 1 moins 8, h multiplié par 5, et le nombre 25h moins 3 et 1 moins 8h sont premiers entre eux, alors donc BGCD est égal à 5. Donc, c'est l'ensemble du groupe de la forme 125h moins 15, 5 moins 30h avec h appartenant à z. Bon, voilà pour cet exercice.
Merci pour votre attention. À la prochaine.